Elle a placardé dans les rues de Tel Aviv le portrait géant du chef du Hezbollah. Ennemi juré d'Israël, Nasrallah est devenu le visage d'une campagne de sensibilisation. Avec un message, Hassan Nasrallah est coincé dans un bunker depuis 12 ans. Quelle est votre excuse ? Le buzz médiatique est réussi et derrière cette campagne, un objectif, faire réagir les Israéliens. Le plus important pour nous est de secouer l'opinion publique et nous avons réussi à attirer l'attention sur le recyclage des bouteilles en plastique. Et l'organisation ELA ne compte pas s'arrêter là. Prochain objectif, récupérer la totalité des bouteilles recyclables à travers le pays. Un travail ardu, physique, intense, pour un environnement plus propre, pour un bénéfice d'ampleur nationale.